Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi et aujourd'hui, comme promis, on va parler des groupes. Et je te le cache pas, ça a été un des audios, sinon l'audio, le plus dur à écrire de tous les audios qui ont été écrits jusqu'à présent. Car ouais, c'est un sujet super sensible où il y a tellement de choses à dire que ça devient super complexe. Car vous savez comment ça se passe avec les audios du mardi ? Je reste complètement neutre face au sujet de Capora qu'on aborde. Et pour faire transparaître cette neutralité, c'est super dur parce que le sujet va venir chercher beaucoup d'entre vous. Donc du coup, j'ai travaillé au mieux cet audio. Donc juste pour ça, tu me mets un énorme like et c'est parti ! Jamy, mais à quoi ça sert un groupe de Capora ? Alors les loulous, un groupe de Capora, ben, c'est tout d'abord un groupe qui fait de la Capora. Voilà, merci beaucoup à tous de votre attention. C'était le meilleur audio du mardi de la saison. Je vous souhaite le meilleur. À la semaine prochaine. Ciao ! Pour commencer sérieusement cet audio du mardi, je tiens à te dire que j'ai pas de réponse claire, définie, historique quant au but et à l'utilité des groupes de Capora. Non, c'est pas une blague. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Après, l'homme est une créature sociale. C'est peut-être donc juste l'illustration de sa nature la plus profonde. Inévitablement, nous sommes tous amenés à créer des connexions avec les gens qu'on rencontre, avec les gens qu'on côtoie le plus souvent. Donc c'est naturel qu'on se fédère autour de quelque chose. Et on a la capoeira en commun, donc les groupes de capoeira sont nés d'une envie, d'une nécessité de partager cet art les uns avec les autres. Dans la capoeira d'aujourd'hui, en faisant un constat, en faisant un état des lieux des choses, on se rend compte que les groupes sont plus devenus synonymes de frontières, de délimitations, plus que d'attraction, d'ouverture et d'acceptation. Est-ce que c'est la société dans laquelle nous vivons qui veut ça ? Je suis pas sûr. Bien que l'influence de la société sur la capoeira n'est plus à prouver. Parce que si la société avait influencé le système de groupe, on aurait d'autres modèles dans le monde. Parce qu'on n'a pas tous la même culture, ni la même société. Attends, peut-être c'est le cas en fait. Merde. Mais je pense que l'évolution dans la direction de fermeture a été un modèle indispensable à un moment donné pour pouvoir étendre la capoeira, pouvoir la faire grandir, grossir, s'organiser, se professionnaliser. Je pense sincèrement que ce modèle-là, très pyramidal, on va en parler un petit peu tout à l'heure, a réellement joué un rôle super important, même clé, dans l'expansion de la capoeira mondialement. Ensuite, on a découlé de l'opposition de groupe à groupe, de la jalousie, de la concurrence, de la compétition. Et c'est plus ces conséquences-là qui sont néfastes que l'organisation du groupe en elle-même. Ensuite, le problème de trop se fermer, c'est qu'au bout d'un moment, on pense qu'on a la vérité, la grande vérité. On sait comment doivent être faites les choses, qu'on sait comment doivent être pratiquées la capoeira. Et le truc, c'est qu'en transmettant ça aux nouvelles générations, eh bien, on les façonne à adopter, à adhérer à un message, à un système. Sauf que beaucoup reproduisent les choses sans savoir pourquoi elles ont été mises en place. Et du coup, on reproduit un système de fermeture où on a besoin de se recentrer sur soi pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir se développer. Et on reproduit ce schéma de fermeture et on s'oppose aux autres groupes, on s'oppose aux autres capoeiras qui existent, mais plus pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dépassé le stade d'organisation interne. On sait comment s'organiser, on sait comment développer la capoeira, comment développer un groupe, comment organiser tout ça. On n'a plus besoin de se fermer. Mais sauf que pour beaucoup, c'est le schéma dans lequel ils ont grandi et c'est le schéma qu'il faut perpétuer, qu'il faut continuer. Et à ça, tu rajoutes un autre élément, le sujet de l'audio du mardi de la semaine dernière. Et là, on est bien. Et si je suis fort, j'essaie de te le faire apparaître là. Ou peut-être là. Ou peut-être même là. Il y a un autre élément qui dérange beaucoup, qui fait beaucoup parler aussi, c'est le côté pyramidal des groupes. C'est-à-dire qu'il y a une personne en haut qui ramasse tous les bénéfices du travail des autres en dessous. Et ça, ça dérange énormément aujourd'hui. Je pense que c'est le même mécanisme que sur l'histoire de la fermeture des groupes. C'est-à-dire qu'à une époque de la capoeira, il y a eu des visionnaires. Il y a eu des gens qui avaient réellement une vision claire de ce que pouvait être la capoeira. Et du coup, pour pouvoir matérialiser tout ça, pour pouvoir avancer dans cette vision-là, ils ont dû construire un système qui leur permet de pouvoir avancer là-dedans, dans cette vision. Donc, ils ont construit ce système pyramidal qui fait en sorte qu'ils vont avoir beaucoup de moyens, ils vont avoir beaucoup de ressources pour qu'ils puissent concrétiser leur vision. Parce qu'une vision, pour quelqu'un qui est réellement visionnaire, comme on en a eu dans la capoeira, c'est difficile de l'expliquer. C'est difficile de la transmettre. Donc à un moment donné, ils ont été confrontés justement à ça et il fallait, boum, taper du poing sur la table et avancer. Et ce système-là a été très bien pour pouvoir avancer dans cette direction-là. Le truc est, aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir ce système-là ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres systèmes qui existent ?
qui serait peut-être plus intéressant, qui placerait l'humain réellement au centre. Parce qu'aujourd'hui, des visionnaires, il y en a de moins en moins. Il y en a très peu. Mais par contre, la structure, on l'a gardée. Et du coup, il y a des gens qui n'ont aucune vision, guillemets, qui reproduisent cette pyramide, ce système pyramidal, parce qu'ils veulent amasser tous les bénéfices. Et par bénéfice, j'entends pas que bénéfices financiers. J'entends popularité, j'entends prestige, j'entends plein d'autres choses. Et du coup, lui, bien sûr qu'il veut garder ce système pyramidal, parce qu'il a un confort et il bénéficie de tout. Parce que s'il change les choses, ben il va perdre ses privilèges. Tiens, c'est bizarre quand même. J'ai l'impression qu'on a déjà vécu ça dans l'histoire. Et beaucoup de personnes qui créent aujourd'hui leur groupe de Capora se basent sur ce modèle-là, sur le modèle des visionnaires, parce qu'ils ont eu tellement de prestige, ils ont eu tellement de bénéfices que tout le monde veut ça. Et quand ils créent leur groupe, sans même avoir une vision, sans être visionnaire, ils veulent reproduire ce système pyramidal pour être en haut de la pyramide cette fois-ci. Et du coup, pour avoir plus de prestige, mais ils se font appeler maître fondateur, ils se font considérer comme des demi-dieux, voire des dieux, décidant de l'avenir d'un tel ou d'un tel. Et du coup, ça crée un système où l'élève, s'il a envie d'évoluer dans la hiérarchie, s'il a envie d'avoir ses cordes, mais doit se faire bien voir, doit dire amen à tout ce qui se passe, à tout ce qui se fait dans le groupe. Parce que sinon, il va être mis de côté. Parce qu'il déifie pas, il idolâtre pas le grand vénérable maître qui lui, du haut de son gros piédestal, va regarder, ah non, toi tu crois pas en moi, donc de côté. Toi tu crois en moi, oui, allez, viens, viens. Allez toi, non. Et du coup, les personnes qui vont vouloir réellement faire les efforts, passer par là où il faut passer pour pouvoir évoluer dans ce genre de groupe-là, sont des personnes qui sont intéressées par la position qu'ils vont avoir, par le pouvoir qu'ils vont avoir, par l'influence qu'ils vont avoir, par les privilèges, les avantages qu'ils vont avoir. Et c'est là où on se rend compte qu'en faisant comme ça, qu'en reproduisant ça, ben ceux qui vont arriver en haut de la hiérarchie vont avoir exactement la même mentalité que ceux qui étaient avant, que leurs prédécesseurs. Et du coup, comme ça, ils vont créer, par habitude, une tradition. Audio du mardi numéro 20. Et donc, c'est pas prêt de changer, principalement pour les gros, les hyper groupes, où du coup, ça va être amplifié encore plus. Et ça m'amène à me poser une autre question qui, je pense, est révélatrice de beaucoup de choses et de savoir pourquoi il y a autant de groupes de Capora. Pourquoi il y a autant de professeurs, de contremaîtres, de maîtres qui sortent, soit de grands groupes ou de plus petits groupes, mais qui sortent, qui répètent ce mécanisme-là, on sort pour recréer un autre groupe. Je pense qu'en analysant ce point, on va se rendre compte de certaines vérités, de certains faits, de certaines limites du système de groupe tel qu'on l'a présenté. Car oui, tu vas voir, il y a un paradoxe énorme. C'est-à-dire que dans un groupe, on demande à tous d'adopter un style, une philosophie, on les fédère autour d'un hymne, d'un logo et de plein d'autres artifices comme ça, avec comme objectif de créer une identité forte. Mais 97% des fois, c'est juste créer une identité pour créer une identité. Parce qu'on reproduit tout simplement un mécanisme, un schéma, un modèle qui a fonctionné dans le passé. Il n'y a pas de réelle vision derrière tout ça. On reprend juste des mécanismes, des rouages qui ont fonctionné et on répète. Puis après tout ça, tu as adopté un style, tu as adopté une philosophie, tu as adopté un logo, tu chantes l'hymne, tu chantes tout ça, tu es bien dans le groupe. On te dit, ben la capoeira est libre. On vient te parler de liberté dans la capoeira, d'émancipation dans la capoeira, du pouvoir de transformation qu'a la capoeira, de l'ouverture d'esprit qu'a la capoeira. Alors c'est peut-être normal au final, c'est peut-être dans l'ordre des choses que chacun crée son groupe, parce que c'est comme ça qu'il va réellement s'émanciper, il peut réellement devenir libre, parce qu'on lui parle de liberté, mais il peut pas être libre en ayant un style précis, parce que s'il a envie de faire quelque chose d'autre, on lui dit non, c'est pas comme ça qu'on fait ici. Du coup, il n'est pas forcément libre, il n'est pas vraiment libre. Et il a besoin peut-être de partir pour pouvoir se libérer, s'émanciper, faire comme il veut. Bien sûr, avec le respect de la capoeira, mais faire comme il veut, comme il a envie de vivre la capoeira. Alors si c'est normal cette recherche de liberté, d'émancipation dans la capoeira, de transformation de la capoeira, pourquoi le fait de créer son groupe est si délicat et si mal vu par la communauté de la capoeira? Et c'est là où on est dans un véritable paradoxe. C'est-à-dire qu'on prône la liberté, mais quand quelqu'un la prend, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Calme-toi ! Il faut être libre, mais pas trop, hein ! Il faut être libre, mais dans le cadre qu'impose le groupe dans lequel tu es. Tu n'es pas Néo, hein ! Tu peux pas sortir de la matrice comme ça, hein ! Vas-y bien ta pilule. Après, ça ramène à une question, et de savoir est-ce qu'on peut être libre avec des contraintes qui nous sont imposées. Et là, je parle pas de savoir-vivre. Je parle pas du vivre ensemble, je parle pas de civisme. Là, je parle de règles permettant le bon fonctionnement d'un système pyramidal dans lequel je suis contraint de me plier à la bonne volonté du dieu, maître, fondateur, président de l'univers, et etc. quoi.
Donc peut-on être un libre penseur, comme beaucoup se prétendent être? Si nous sommes dans les rouages d'un système castrateur, peut-on être un libre acteur, libre de ses actions dans ce système-là? Je sais, je pose beaucoup de questions aujourd'hui, mais toi seul peux y répondre. Je peux pas te dire ce qui est le mieux pour toi, parce que mon seul avis serait trop limitant pour que tu sois un libre penseur. Après, tu en as beaucoup en créant leur groupe qui se disent « Mais ça y est !» Mais ensuite, quand tu regardes attentivement ce qu'ils sont en train de faire, tu te rends compte qu'ils sont juste en train de reproduire exactement le même système qu'ils viennent de quitter. C'est dingue, ils recréent exactement les mêmes codes, les mêmes critères de valorisation, de fédération, d'idéologie. Bref, tout est pareil. C'est juste l'emballage qui vient de changer. Et après, ils te disent, non mais attends, moi aujourd'hui je fais plus partie d'un groupe. Moi c'est une école. Bien sûr, si tu as réellement choisi ton groupe, si tu as réellement choisi ton prof, et que t'as pas pris le premier venu qui venait parce qu'il était juste en bas de chez toi, que c'était plus pratique pour toi, que tu as choisi consciemment d'adhérer à des valeurs, à une philosophie, là c'est ok, là tu es en accord avec toi-même. Et ça c'est beau putain. C'est beau putain. C'est comme ça que tu peux réellement être libre, réellement t'épanouir. C'est en choisissant bien, en choisissant mieux, et pas en choisissant par défaut. La course au pouvoir de certains professionnels, de certains maîtres dans la capoeira est tout à fait comparable au comportement de certains de nos politiciens. C'est une course effrénée et sans fin pour pouvoir avoir toujours plus de pouvoir, plus de prestige, plus d'avantages, plus de privilèges. Beaucoup de ces derniers, avec leurs plus gradés, fonctionnent avec un modèle de franchisé-franchiseur. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais ils n'utilisent pas ce modèle-là pour promouvoir la culture de la capoeira, pour promouvoir la capoeira elle-même. Ils utilisent ce modèle-là et pour promouvoir juste un modèle économique pyramidal où seul le plus haut va prendre la plus grosse part. En se basant sur la notion, le rapport d'élève à maître, qui fausse complètement le game. Puisque là, franchisé-franchiseur, on parle de business, ni plus ni moins, on parle de business. Et le rapport de force quant à la valeur du travail du franchisé est complètement dévalorisé du part de la position de maître et d'élève. C'est-à-dire qu'il y a des franchiseurs qui offrent pas le cadre qu'ils devraient offrir aux franchisés, qui font pas leur part du job, mais parce qu'ils sont maîtres, vont récolter tous les bénéfices financiers, prestige, réputation, etc. juste parce qu'ils sont maîtres et que c'est leur position d'autorité qui veut ça. Donc le rapport est complètement faussé. Si t'es dans ce cas-là, tu peux te rapprocher du syndicat CGT. Les capoeiristes en grève. Pour le T, tu te démerdes, j'ai pas trouvé. Parce que la convention collective oblige à élire un instructeur du mois. Ça serait chaud quand même si tu limitais le truc au business comme ça. On trouve aussi des fois des histoires un peu particulières qui découlent justement du rapport de franchiseur et franchisé, du désir d'expansion, du désir de conquête, de pouvoir, de réputation, d'argent. Je connais pas les motifs réels, mais des personnes qui sont prêtes à franchiser, à accepter quelqu'un dans leur groupe, alors que cette personne n'est pas du tout formée. C'est-à-dire que là, j'ai eu deux cas, un en France et un autre au Maroc, de mecs qui étaient corde jaune, deuxième corde, et qui du coup sont rentrés dans le groupe et sont passés, ben, un était moniteur et l'autre devenait gladouard. Tout ça pour pouvoir ouvrir une nouvelle section. Le truc est juste hallucinant. Ces personnes-là, t'as envie de leur dire « Ta gueule, je vais t'arracher les yeux, tête du cul !» Ah ouais. Alors, est-ce qu'il existe un modèle viable de groupe de capoeira? C'est quoi le groupe 2.0? C'est quoi la mise à jour ultime? Parce qu'il y en a qui sont toujours sous Windows 95, même sous MS-DOS. Mais en fait, le groupe, c'est juste un ensemble de personnes. Ça viendrait de l'italien gruppo. Je tiens à adresser toutes mes excuses à tous les Italiens du monde entier. Ils voudraient dire nous. Donc en fait, c'est les connexions entre chaque personne qui fait qu'on est un groupe. Donc au final, il y aura toujours ça, il y aura toujours des groupes. Et je pense pas qu'il y ait un modèle universel de groupe de capoeira, ni un modèle meilleur qu'un autre. En ce moment, il y a certains qui sont en train de tenter des nouvelles organisations qui sont super intéressantes et qui méritent toute notre attention et notre soutien parce qu'ils sont en train d'explorer le champ des possibles. Je pense que plus qu'un nouveau système, que de vouloir réinventer la roue juste pour réinventer la roue, il faudrait plus se focaliser sur ce qui rassemble tout le monde, ce qui nous unit dans et en dehors du groupe. Le système pyramidal aujourd'hui, on a vu, il a montré des limites. Et je pense qu'il va convenir de moins en moins aux nouveaux capoeiristes. Du coup, je pense que ce système-là deviendra une minorité. Mais de par la structure, de par l'organisation, de par la taille qu'ils ont, je parle des groupes de façon pyramidale, de par leurs moyens, leurs ressources, ils vont avoir une beaucoup plus grande visibilité. C'est exactement comme le marché de l'entreprise. Il y a des grandes multinationales que tout le monde voit, mais elles représentent même pas 1% de tout le parc des entreprises mondiales, qui est composé majoritairement
de petites entreprises, de moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous faisons partie d'une génération qui tend à replacer l'humain dans une société. Replacer l'humain dans un modèle, dans un mécanisme, dans un système. On essaye de se retrouver, de se rassembler, de se recentrer sur des valeurs beaucoup plus intérieures. Preuve en est, le développement de tous les projets, bien-être, mieux-être, santé, croissance personnelle. Il y a une volonté de remettre l'humain à sa place dans le système, dans tous les systèmes en fait. Il y a juste à regarder des entreprises comme Google, Facebook, qui privilégient l'humain, le bien-être, le mieux-être, plutôt qu'une productivité forcée. Il serait peut-être intéressant de se rejoindre, de se rassembler autour de quelque chose de plus organique, de plus humain, à dimension, à taille humaine, de moins impersonnel, autour d'un véritable projet collectif où chacun est impliqué, écouté, respecté. Ce rêve bleu. Bien sûr, je n'ai même pas parlé dans cet audio de tout ce qui est magouille qui existe à l'intérieur des groupes, où on t'explique avec une dose d'ironie, ben, c'est la malandrage, c'est la capoeira, c'est comme ça. Tu sais, la capoeira, c'est ça, mes filles. T'es que c'est malin, né? Comme je l'ai dit dans les précédents audios du mardi, je pense qu'un de nos principaux défis, c'est le vivre ensemble. Donc, personnellement, je pense que toute barrière à cette notion-là est un frein à l'évolution de la capoeira. Et comme tout le monde le sait, à force de freiner, ben on s'arrête. Et toi-même, tu sais, capoeira parada não dá. Pour le vivre ensemble, tout viendra d'une prise de conscience collective, d'un véritable sens d'humilité, d'abnégation envers le dessein d'une capoeira, de la capoeira, et non pas d'un intérêt personnel. C'est les uns avec les autres que nous allons faire progresser la capoeira, que nous pouvons vraiment contribuer. Personne ne va révolutionner le game tout seul. Manque d'humilité. L'union fait la force, l'union est indispensable, à l'intérieur des groupes et entre les groupes. Alors tout ce qui nous divise ne doit pas, ne doit plus être accepté. On n'a qu'une vie, les loulous. Ne perdons pas plus de temps à être séparés les uns des autres. Surtout par des principes érigés pour préserver les privilèges et la position de certains. Je ne dis pas de partir en guerre contre un système. Je dis tout simplement d'utiliser ce système avec des valeurs beaucoup plus humaines, des valeurs d'acceptation, des valeurs de partage, des valeurs de respect sincère. Parce que si tu gagnes, je gagne. Et la capoeira gagne. Voilà les loulous, c'est terminé pour cet audio du mardi. Et putain, il m'a coûté, il était super dur à faire. Donc je te demande toute ton indulgence. Laisse-moi tes commentaires, laisse-moi tes réactions dans la vidéo YouTube. Et on en reparle ce soir sur le live à 23h sur Facebook, Four ou pas capoeira. Pense à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo si tu l'as trouvée intéressante. Et je te dis à ce soir sur le live ou bien à la rentrée. On reprend les audios le mardi 10 janvier, le mardi 10 janvier. Tu t'abonnes pour recevoir les notifications. Je te prépare plein de contenu là pendant les vacances. Ça va être génial. En tout cas, je l'espère. On se revoit très vite ce soir au live. Pour les autres, à très bientôt. Ciao.